Bonjour, bonjour à tous, ici Le Vicky, on se retrouve aujourd'hui sur Jurassic World, le jeu pour un petit combat. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais c'est enregistrement en avance, bien sûr. Un carnage de carnivores. Pourquoi? Parce que combat de mode, on n'en fait jamais. C'est vrai, on n'en fait jamais, et je me dis, bon, il y a un petit paquet à récupérer. Bon, l'espèce à l'intérieur ne m'intéresse pas, par contre, on peut récupérer potentiellement un petit peu d'ADN. Avec un peu de chance. Bon, ça m'étonnerait qu'on l'ait, mais... Pourquoi pas? En tout cas, un combat de mode, on n'en fait quasiment plus. Il y a combien de combats? 3 combats. Et ça peut être assez tendu. Quand tu vois la puissance du Crobasminus niveau 35, avec en plus un saignement, après avoir infligé des dégâts, inflige 40% de la statistique d'attaque à la fin du tour du détenteur. Enfin, voilà, vous avez compris. Ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. C'est que du carnivore. Ah, c'est que du carnivore. Oh, le combat va être tendu. Alors... Permettez-moi de réfléchir. On va mettre un Herlifosaur pour tanker. 3182 points de dégâts, c'est colossal. Ensuite, un Scorpius Rex. Et pour terminer, l'Indoraptor. Alors l'éclat, il est sympa, mais j'en ai qu'un seul, quoi. Peau dure. C'est tout ce qu'on a. Polure, ça fait quoi? Première attaque subit fait 50% des dégâts. On peut prendre ça. On peut prendre ça. Ensuite, on met un... annulation. Et... un ralliement. Alpha. Je mets un alpha, on va voir. J'ai pas beaucoup de modes. Hein. 1038, on passe à 1138. Bon, c'est pas non plus la folie. Alors, parade. Il y a un truc que je me pose à chaque fois cette question. Je sais pas, j'ai un doute à chaque fois. La première attaque subie fait 50% de dégâts. C'est quoi? C'est la première action? Ou la première attaque. C'est marqué attaque, c'est vrai. Bon, je mets parade quand même. I'm afraid. Bon, voilà. Il y a le saignement qui fait plutôt très très mal. Et derrière, on charge. Là, en vrai, il a plus besoin d'attaquer. Il m'a tué. Oh, donc c'est très très bien. Son saignement n'a servi à rien. Là, j'annule son saignement. J'ai perdu. Je suis en train de voir là, je constate qu'il y a 10 000 points de vie, c'est impossible. ...3792, il va avoir 3 actions. Ça passera pas, les gars. Compliqué. La puissance est trop faible. Il annule mon annulation? C'est pas vrai. Ouais. Il doit tout mettre s'il veut me tuer. Ça reste une bonne chose. Après, on a un Indoraptor à 6000 points de vie. Son mégalosaure, il met combien? C'est la vraie question. Et cette action ne sert à rien non plus. 3000 points de dégâts. Ah, il tue en deux quand même. En deux quand même. On va espérer que ça tue pas. Il va me manquer une action. J'aurais dû mettre un truc pour baisser la puissance. Aïe aïe aïe. C'est un échec. La difficulté du combat est colossale. Des carnivores. Plus puissants les uns que les autres. On va mettre un Chromaspinus. Il y a combien de combats? Il y en a 3. On va mettre un Chromaspinus. Et je pense qu'on va directement chercher ça et ça. Et là, il faut faire balle, quoi. Pourquoi pas un Pico? Après une attaque reçue, contre-attaque pour 50% de la puissance adverse. Je vais mettre un Pico.
je vais mettre un picot. Peau dure. Peau dure ne sert à rien. Sur le deuxième. Ralliement. Mince. Et là, on va mettre... Bah, je vais mettre peau dure quand même. Parce que si on arrive à le tuer, au moins on a la peau dure. On va voir. En tout cas, on a mis le picot. Faut pas mourir, quoi. Enfin, pas trop vite, en tout cas. Alors... J'ai mis une attaque. Est-ce que ça contre-attaque quand même ou pas? Non, ça contre-attaque pas quand même. Ce qui est une bonne chose en vrai. Parce que ça veut dire que... Enfin non, c'est pas... on aurait préféré contre-attaquer, mais la man... ce qu'il a fait, c'est positif. J'aurais pu mettre 3 parades. Là, faut qu'il mette vraiment un max d'action, comme ça il se prend un max de contre-attaque. Ah, il a mis 4. 22 450%, ça... il s'est tué, non? Le picot, ça a pas... Oh, c'est tout? Ah, c'est 50% de l'attaque. 3500. Attends, je me suis fait arnaquer là-dessus. C'est 25? Ah, pour 50% de mon attaque à moi? Ah, je croyais que c'était de l'attaque que j'ai subie. Ce qui aurait été plus logique, en vrai. D'accord. Bon, oh, on a touché un petit peu. Déjà une bonne nouvelle. Hein? Soyons positifs. On fait ça. Il a combien de points de vie? 3700 de dégâts, pardon. Je sais pas s'il avait... Il avait 4 actions. Ou 5. Il a utilisé 4, c'est sûr. J'ai une parade. Bon, je l'ai tué déjà, c'est positif. On a une parade. Il y a son annulation qui passe sur la pollure. Il a rien fait. On va essayer de le tuer direct. Et on charge. Pas mal. Il est mort. J'ai mis une attaque en trop, mais c'est pas grave. Voilà, sur ce combat, on est passé. 6. 5 attaques, peau dure. Enfin, on va voir, du coup, c'est 3000... Ouais, non, okay. C'est le 3000 points de dégâts. Qui est à 50%, puis après ouais ok bon. Bon, de toute façon c'est passé, on a gagné. On s'est débarrassé du problème. Deuxième combat, il nous reste un Indoraptor niveau 20 et un Ceratinosaur. On espère que la puissance en face n'est pas colossale. C'est pas fou quand même. C'est quoi ça? Vole le mode de la créature adverse, usage unique. D'accord, ok. Copier les stats de l'attaque et de santé de la créature adverse, ça c'est trop bien ça. Ah ça c'est trop bien ça, parce que du coup on peut envoyer du moisi. On peut envoyer du moisi. Donc il faut juste qu'on tue le Spino. Alors pour tuer le Spino, la solution c'est quoi? C'est de tanker. On a du choix, donc pas mal. Saint Nicolas Greus. Derrière, il faut le tuer. Avec du dégât. Genre Spinotasucus. Et on va envoyer un très très mauvais. Genre un Utahraptor. Alors là, il veut voler mon mode. Ce qui peut être intéressant comme vol, c'est... C'est quoi ça? Prédation? Le bonus d'avantage de classe passe à plus 150. Ouais, ok, ça sert à rien. Bon, ça va être une annulation en vrai. On va mettre annulation. Et là, il copie les stats. Là, il copie les stats.
Mettre ça. Oh, c'est chaud. J'ai pas mis mon Ceradinosaur et j'ai pas mis mon Indoraptor pour me garder une tentative de secours. Voyez. 2009 parade. Nanana. Deux actions, qu'est-ce qu'il fait? Une seule attaque, c'est bien. Ça, on aime bien. Oh, j'ai bien fait, j'ai hésité à mettre une seule parade, mais j'ai bien fait. Je vais mettre les deux. Ok, bon là, on sait plus trop ce qu'il a fait, on est obligé de charger. On a bien fait aussi, et il peut nous tuer, donc il va tout mettre. Pas mal. Notre Spinotasuchus devrait pouvoir tuer le Spinosaur Gen 2. Petit bonus de dégâts. Ah, j'avais pas pensé à ça. Et du coup, on lui supprime ses points de vie. C'est trop intelligent de ma part. Je lui ai mis des dégâts sans le vouloir. C'est très très intelligent de ma part. Et après, on met les 8 chars. Il y a des moments où je fais des trucs, c'est pas voulu. Et on voit qu'il y a du génie. Là, les dégâts, il a 2007 du coup. Tour adverse. Alors, du coup, il peut nous tuer, donc il va attaquer, mais. Ça aurait été incroyable. On aurait pu le one-shot. Bon, il nous vole nos stats. Il a mis 3 attaques, il a plus que 35 points de vie. Quoi? Ah, il a fait un échange. Je peux pas voir. Il y a eu un bug là, non? Il y a eu un petit bug. Je pense qu'il y a eu un bug. On tue en 2. 1, 2. 1, 2, 3. Et une charge. Oh, bon, il a gagné. Il a gagné parce qu'il avait des actions que. Que je regrette. Aïe aïe, j'aurais mis une parade, c'était bon. Attaque pas. Une parade et ça passait. Est-ce qu'on est déçu? Légèrement. Légèrement. Sachant qu'on n'a pas énormément de mods. Mais c'était une bonne tentative en vrai. On va mettre un petit. Dudon. Je vais mettre le Ceradinosaur. J'ai envie de renvoyer. J'ai envie de renvoyer ça. Annulation. Le Fury, c'était une trop bonne idée. Et je vais mettre Podur. Podur nous aurait permis de survivre. Alors. Ici. Faut charger. On a notre Ceradinosaur, il faut absolument pas perdre. Hein. Parce que sinon il nous reste plus qu'un Indoraptor pour deux combats, c'est compliqué. Hein. Ok, c'est bien. Très très bien. Triple parade, on a nos 8 actions. Ok. Nos 8 actions sont chargées. Il met 3, c'était logique. Alors, attendez. Du coup, ici, il prend des dégâts. Un, deux... Ouais, bon, ça aurait pas changé grand chose là-dessus. 4. Je vais mettre. 3045. Je vais mettre 3 parades et une charge. Oh non, il a chargé, je suis écœuré. Je pense qu'il gagne là-dessus. Avec les stats clonés. Oh, c'est bon. Il a pas tout mis.
Tout va bien. Tout va bien. Il est mort. Et là, bah, on a peau dure pour survivre de toute façon si jamais c'était nécessaire. Et surtout... Et surtout, on a nos actions. Bien joué ça, Guanlong, tu es le baker. Le tout petit carnivore qui élimine l'incroyable Glitrodax. Bien joué. Très bien joué. Parfait ça. Ok, il nous reste le dernier combat avec Windraptor donc. Alors... Aïe! Ça, ça fait très très mal. Toute l'équipe qui prend. Et on n'a pas de point de vie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que je le tue le plus vite possible parce que sinon on va... Oh, j'ai perdu en fait là. Il y a tellement de points de vie. C'est compliqué. Je vois pas comment je m'en sors. Honnêtement. Je vois pas comment je m'en sors. Parce que du coup, mon Indoraptor, il va... Ouais, il faut que je tanque un maximum. Ouais, l'attaque subie est réduite de 99%. C'est le mieux que je puisse faire. Pour pouvoir tanker et derrière il faut que notre Tyrannolophosaur tue l'Erlyphosaur. Et en vrai le mieux du coup ce serait de mettre l'Indoraptor pour le tuer. Et on échangera. En fait il faut que lui annule ça. Que lui charge. Il meurt. L'Indoraptor tue l'Erlyphosaur. Puis derrière on échange. Donc pour assurer le coup il nous faudrait presque un pot dur sur l'Indoraptor. Et un alpha sur le Tyrannolophosaur. Allez, c'est parti, on part là-dessus. Il faut, si ça se passe comme prévu, ça peut le faire. Là, on annule son truc. Ça, c'est un peu fort quand même, l'annulation. Parce que c'est un truc légendaire. Carrément dégoûté, en vrai. Là, il diminue notre puissance, mais bon, c'est pas grave. C'est une diminution massive, mais... Alors, parade. Il faut qu'on tue son Erlyphosaur avant qu'il passe il fasse une offensive. Le problème, c'est qu'il a rien fait au premier tour, donc on est dégoûté. D'accord, please, please, please. Oh. Ah. Bon, on tue. 3200. Parade d'une charge. On a la peau dure pour encaisser si jamais il attaque. Parfait, ça a pas utilisé notre peau dure. Je vais échanger. Ici. Et charger les 8 actions. 5. Il a tout mis. Ça se passe pas mal. On a encore la peau dure, on a nos 8 actions et on a l'Indoraptor niveau 30. Il n'y a pas trop de danger. 4500. Je peux faire ça sans aucun problème. Tout va bien. On a même pas eu besoin de la peau dure. Indoraptor, il a joué parfaitement bien le coup. Ok, les combats de mode, c'est sympa, c'est pas évident. Ça change.
Chaque fois je le dis, j'en fais pas beaucoup parce que comme ça, en lancer un, j'ai pas envie. Mais au final, quand on est dedans, c'est intéressant. Un petit 1250 ADN qui fait quand même plaisir et un Scaphoniatus. Du bon, on ne sert à rien, mais on prend quand même. Parce que l'important dans le matériel, c'est pas que ce soit utile, c'est que ce soit gratuit. Évidemment. Parfait. Ici, qu'est-ce que c'est? Bon, là, c'est un petit paquet. On verra plus tard. Et là, on récupère ceci. Parfait. Eh bien, écoutez, combat intéressant, full carnivore qui s'attaque à coups de mode. Et on s'en est sorti, même si on a dû utiliser toute notre puissance carnivore. Ça fait mal. Mais la victoire est au bout. Et ça fait quand même plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Le Viking sur Jurassic World, le jeu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Bisous à tous, bonne journée. Et à la prochaine. Allez, ciao.